Et nous sommes repartis pour du Grounded. Donc, on a eu quelques petits changements. En fait, pas énorme. Hein. J'ai refait la défense de la base. Ouh, là, faut que je bouge ça parce que ça va me pousser contre. J'essaye de mettre des choses en fait devant pour éviter que les trèfles repoussent. Parce que on peut empêcher genre la pousse de d'herbes, de trèfles et tout ça, en faisant des constructions évidemment. Par contre. Excusez-moi, faudrait que je mette un peu plus de lumière. Tiens, je crois qu'il y en a une qui a pété. Je crois qu'il y en a une qui a été cassée. Faudrait que je mette un peu plus de lumière. Alors, un truc que j'ai pas pris en vidéo, je suis un peu dégoûté. J'ai eu une représaille de fourmis. Pourtant, on n'en a pas tué énormément. Tiens, il est là, lui. On n'en a pas tué énormément. Bon, il n'y a eu pas grand-chose. Il y a eu... 3 fourmis, je crois, ouvrières et 2 guerrières. Bon, elles ont failli me tuer quand même, hein, parce que j'étais pas prêt du tout. Donc, on a eu des représailles pendant la nuit. Alors, il y en a beaucoup qui se tuent, en fait. Tiens, il faut que je refasse une lumière. Qui se tuent sur les pics, parce qu'elles passent et tout ça, et puis elles sont débiles, en fait. Parce que y en a une qui meurt, il y a les autres qui vont voir, en fait, ce qui se passe. Et du coup, bah, elles se refont toucher par les pics et elles meurent à leur tour. Donc c'est un peu chiant des fois. Faut que je répare souvent. Donc c'est pas vraiment le meilleur plan ce que j'ai fait. Mais ça nous protège. Ça nous protège quand même de quelques trucs. Donc c'est bien, c'est des torches là. Donc ça nous protège quand même. Tiens, il faut que je fasse des feuilles séchées. Donc ouais, il y a ça. Et après, alors ce qui s'est passé, c'est que pendant que je construisais, j'ai eu un putain de sursaut, parce qu'en plus j'avais même pas le casque et tout ça, j'avais le son sur le pas. J'ai eu un putain de sursaut, il y a une loup qui est venue, mais qui était dans mon dos. Et si vous vous rappelez, dans le deuxième épisode, elles font des cris, mais horribles quoi. Et j'ai eu ça dans les haut-parleurs, c'était une horreur. J'ai fait un putain de bond sur ma chaise. Mais cette saloperie, du coup elle s'est coincée, enfin elle s'est bloquée en fait en bas de ma base. Bon, elle m'a détruit des pics, hein, au passage. Et j'ai pu la tuer avec les lances, parce que je suis allé sur le toit. Et j'ai balancé des lances. Et en gros, un peu comme la dernière fois, comme la toute première fois avec les flèches, on pouvait récupérer les flèches en fait sur le bout de son nez, de ses mandibules en fait. Parce que je parle et je fais pas attention. Et du coup, je pouvais en fait lui lancer les lances, parce qu'en plus, c'est plus grand les lances, donc je peux les rattraper de plus loin. Et après, lui relancer les lances, les récupérer, les relancer, les récupérer. Et je l'ai tué comme ça. Donc du coup, on a eu des mandibules supplémentaires. Et du coup, ça nous fait assez pour crafter le set de l'araignée. J'ai fait un grand coffre aussi pour l'équipement. Donc j'ai fait le set de l'araignée. Donc maintenant, on peut regarder ce que ça fait. Hop. Donc ça vous donne art de la chasse. Ton corps recycle l'énergie avec une plus grande efficacité. Donc honnêtement, pour moi, ça veut rien dire. Parce que moi, je pensais que c'était peut-être pour la boisson ou la viande. Enfin, la nourriture. Ou alors pour l'endurance. Bon, en tout cas, je suis allé voir sur Internet. Donc c'est pour l'endurance. En gros, ce set vous permet vraiment d'avoir une très très bonne endurance. Il est bien pour les gens, on va dire, agressifs, je pense, où vous faites que taper tout le temps, parce que votre endurance, en fait, revient extrêmement vite. Vous avez le délai de la régénération d'endurance, déjà, x3, et après, vous avez ça, donc votre endurance remonte naturellement plus vite aussi. Donc, je pense que c'est une bonne... ils disent que c'est bon pour l'exploration aussi. Donc, je pense que oui, ça peut être pas mal pour aller explorer. Ah tiens, j'étais toujours en fourmi, j'avais oublié. Je pense que ça peut être pas mal pour explorer, pour aller un peu loin. Donc ouais. Et puis c'est un set quand même résistant, la défense elle est très élevée. Même si c'est pas un set lourd, c'est un set moyen. Mais quand même ça reste un set très très bon. On va faire comme ça. J'ai tué aussi quelques coccinelles. Parce que honnêtement c'était chiant à regarder. Donc on a pu tout réparer. Donc ça c'est bien. Je pense qu'on va... Je sais pas en fait quel set prendre du coup pour aller tuer nos abeilles. Parce que j'avais dit qu'on allait tuer des abeilles. Donc je sais pas vraiment. Il est où le machin? Il est là. Ah oui, et aussi le comble. Le comble. Merde, putain, mais je suis plein. Lâché. Le comble, quand j'ai vu ma loup là, qui m'a sauté dessus, j'ai couru pendant un petit moment hein, pour aller à la maison et tout ça.
Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une deuxième loup. Il y avait deux loups qui étaient vraiment très proches l'une de l'autre et tout ça. Donc c'est même pas limité à une, ça peut être plusieurs à la fois. Qui rôdent en fait dans la dans le périmètre. Donc ça par contre, je suis pas super heureux d'avoir vu ça. Donc bon, j'en ai tué une, donc il en reste plus qu'une qui se balade. Mais des fois, après je sais pas comment ça fonctionne. Je crois que pendant quelques nuits, en fait, elle va rôder. Et puis après, elle va dormir pendant encore quelques nuits. Je crois que ça marche comme ça. Je pense que ça marche comme ça, en fait, le système. En tout cas, on va remettre ça là. Je pense qu'on va utiliser donc le set de la coccinelle pour aller combattre les abeilles, parce que je veux faire des abeilles. Et ce que je voudrais faire aussi, vous vous rappelez les molaires qu'on avait vus? Il fallait un marteau niveau 2. Donc, bah du coup, on a le marteau niveau 2. Donc, on va en profiter. Dormons. Oh merde, je crois qu'il est 6h du mat. Ah non, 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 c'est moi qui ai mal lu. J'ai eu peur. Voilà, très bien. Par contre, il faudrait... Ah tiens, j'aurais dû mettre des repas, en fait. C'est pas grave. Chaque fois, j'oublie de faire les repas. Mais bon, on a tellement peu de duvet d'acarien, et c'est 4 à chaque fois. Autant pas le faire. Après, est-ce qu'on peut mettre un cocktail? On peut faire des cocktails avec ça. Mais c'est aussi un duvet, c'est chiant. Ce serait la santé maximum. Aussi, la dernière fois, j'avais... Bon, j'ai fait une annotation, normalement, j'ai pensé. On a eu maître de la parade, en fait, niveau 3. C'est ça qu'on avait débloqué pendant qu'on a combattu les araignées. Donc, on a toujours bouclier humain. On va mettre comme ça, je pense. J'ai eu Fourminator niveau 2 aussi, du coup, vu que les fourmis m'ont attaqué. Ça, on garde ça là. Je pense que on va tout simplement aller combattre les petites les abeilles. Ah, vous voyez, elles n'arrêtent pas de se tuer, en fait. Faut tout le temps réparer. Donc ouais. Après, j'ai essayé de les faire plus coller contre les parois, mais il y a des endroits où je peux pas vraiment les coller, les pics. Donc au final, on est un peu bloqué avec ça. Voilà, tout simplement, on est bloqué avec ça. Donc on y va. On y va. On n'a pas de repas, mais c'est pas très grave. Il me faut des herbes sèches, c'est ce qui me manque. J'ai fait aussi un peu le plein de pierres et tout ça. Donc ouais, je suis allé récupérer quelques trucs. Il y avait des abeilles. Il y avait un grand terrain pour combattre des abeilles là. Mais il y a les moustiques. Oh, il y a ça aussi. Il y a ça qui vient très vite. Ah ouais, d'accord. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, doucement, doucement. Enfin, après, on peut se la faire. Ok, elle m'a loupé. Ok, nickel. Ça. Nickel. Parfait. Le dernier coup fait extrêmement mal quand on regarde. Hein. Bien. J'ai un autre brouillard à moi. D'ambiance. On est bon. On est bon. Les petites sont très reloues quand même. Hein.
Ouais, très bien. Oh la vache! Elle, elle a une facilité à bouger. Oh, du poison. Ah, elles s'entraident, hein. Elles s'entraident de très loin en fait. Hein. Elles sont très chiantes pour ça. Elles aggro de méga loin. Bon bah très bien, ça nous fait 5 toiles. Ah, l'armure comme elle a pris cher. Même le bouclier a pris cher, putain. Chier. Aïe 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 aïe, je sais pas vraiment où est-ce qu'on peut aller pour combattre des abeilles, genre facilement. Nice and safe. On a plus de baies aussi, il faudra aller récupérer des baies. Tiens, toi toi, faut que tu viennes là. On a notre bouclier à réparer, nickel. Alors, on a de nouveau des moustiques, pas vraiment ce qu'on recherche. Après, il faudrait peut-être essayer de faire les missions aussi. J'ai remarqué, parce que c'est vrai qu'on les fait pas. Donc on pourrait se balader. Maintenant qu'on est un peu mieux équipé, un peu plus résistant et qu'on sait se battre, on pourrait faire ça. Mais il y a les molaires que je voudrais aller faire. Donc on a deux molaires qui sont pas très loin. Je vais remettre ça, désolé. Donc on va voir ça. J'ai mis quoi? J'ai mis soin et quoi d'autre? Pour les mutations, je sais plus. Je crois la lance et les soins. Ouais, donc ça va pas donner de trucs. Soigner. Alors, on a une qui est pas loin, c'est en dessous d'une canette, donc on va voir ce que c'est. On va voir ce que ça donne. Et après, on en a une autre dans le tout premier laboratoire. Dans le tout premier laboratoire, le grand labo qu'on avait découvert. Ouais, ça va, je suis content. Même les araignées et tout ça, honnêtement, ça se passe bien. Et comme j'ai dit, elle fait pas très mal. Je crois que c'est sous la canette, je me rappelle plus. Ou alors c'est dans un renfoncement, genre dans une... Je sais plus... Ah, c'est pas sous ça. Je crois que c'est sous là. Yes. Alors, c'est bien 2. Hein. C'est bien niveau 2. Hein. Yes, c'est niveau 2. Alors, vas-y, fais voir un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Milk Molar. Consultez le terminal SL sur les Milk Molar. D'accord. Ok. On va aller boire. Je suis content parce que là, au niveau corps à corps, c'est surtout les araignées hein, qui sont dangereuses. Il faut l'avouer. Mais on arrive à très bien les combattre. Donc maintenant, je suis un peu plus... Je suis beaucoup plus confiant, en fait, sur mes capacités. Donc ça va. Et puis, l'armure. Hein, l'armure. Ouais, vous avez vu que l'endurance quand même met du temps et tout, elle part vite et tout. Ouais. Pour l'exploration et tout ça, je crois que vraiment qu'on va utiliser le set de l'araignée. Alors c'était là, je me rappelle. C'était là. Alors. Méga Milk Molar. Ok, ça marche. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah oui! Oui. Deux. Ah, en haut à droite. À côté de la science brute. Ok, ça marche.
Ça, j'ai pensé en fait quand j'étais en train de construire, je me suis dit putain, mais avec qu'est-ce qu'on peut faire avec le marteau déjà? Peur que j'oublie des trucs, et puis en fait, oui, j'oublie complètement des trucs. Ah oui, non, du coup, il faut l'ordinateur. Ah oui, non, l'ordinateur il est dans l'autre pièce. Ça va, on va y arriver. On va pas rester très longtemps là parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est ça? Ah oui. Quantité possédée 1 sur 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça tue! On a des augmentations aussi. Soin, drain. Ah, putain, on peut. Genre voler de la vie? Non, drain, soif. Ah non, non, c'est. C'est la soif et la faim en fait. Ça descend, d'accord. Endurance max, santé max, mutation active. Et après là on a quoi? Time max des piles de consommables. Quoi? Des piles de consommables? Ça veut dire quoi ça? Piles de ressources. Time max des piles de flèches. Ah oui si j'ai compris, j'ai compris. Genre les piles de ressources c'est les... genre on peut avoir 10 feuilles par exemple de genre merde les fibres de feuilles là les flèches c'est 20 et les consommables c'est 5 donc là on pourra en avoir 10. Ah bah consommable 10 hein, je dirais hein. C'est bien et là par contre j'ai alors santé max soin c'est vachement intéressant mais je pense que ah merde mais c'est 3 ouais d'accord c'est bien ce que je pensais ok. Ouais, je crois qu'on va la garder pour le moment. Parce que moi, je crois que l'évolution suprême... L'évolution suprême, ce sera dans les mutations. Donc je préfère garder pour les... Ah, c'est pas par là. Pour les mutations. Parce qu'avoir des mutations, ça aide quand même vachement. Parce que si on peut avoir toujours de la vie en plus avec parade et rajouter un truc en plus, ça serait vraiment cool. Ok. Je vais faire une toute petite pause par contre, et après on continue. On va essayer de trouver des abeilles ou sinon des bombardiers. Et... Alors, j'avais dit qu'on voulait faire du... Excusez-moi. J'avais dit qu'on voulait faire des abeilles. Ok, on a une araignée qui se balade ici, c'est nouveau. Dis-moi, c'est nouveau là? Ok, tu veux jouer? Vas-y. You can be smart, fast, lucky, or just... Ok, on est bon. Je sais pas si ça les étourdit quand on fait des... On part parfaitement. Je crois que ça les repousse seulement en fait. Par contre mon endurance c'est la merde. Bon après un truc que je voudrais pas c'est trop en tuer. Et que ces saloperies elles viennent attaquer ma base parce que... Parce qu'un truc aussi agressif qui tape partout sur une base, ouais, ça risque de pas être fun, honnêtement. Ça risque de pas être très fun. Putain, mais qu'est-ce qu'elles prennent cher, les armures. Oh la vache. Ça, c'est... Ça, c'est un peu abusé, quand même. C'est un peu abusé. On a plus de nourriture, par contre. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a des noix qu'on peut prendre. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment trop... Je suis en train de m'éloigner en fait de notre but là.
Mais bon, les abeilles, je vois pas trop comment en aller en récupérer une. Enfin, en fait, il faudrait un bon endroit, quoi. Genre, y a pas des abeilles dans les roses? Parce que je voudrais vraiment les lances. Les lances en abeilles, là, putain, elles ont l'air vraiment méchantes, quoi. Ça a l'air vraiment cool. Y a pas d'abeilles, là. Faudra aussi aller dans l'eau. Pour le moment, on va pas y aller, mais il faudra s'équiper pour faire de l'eau. Faire des expéditions sous-marines. Fais voir un peu les missions. Est-ce qu'on peut faire des missions? Alors, on a une branche de chêne abattue. Placez un point de repère à l'emplacement suivant. Branche de chêne abattue. La branche de chêne abattue. Où est-ce que tu vois? Ah, peut-être derrière, là. Genre là, il y a une sorte de tronc, là. Parce que maintenant, vu qu'on peut se faire les araignées sans trop de problèmes, on peut aller à la recherche, quoi. Ah ouais, carrément, putain. Carrément. Je voulais en prendre un juste au cas où si on doit réparer notre bouclier. Genre la branche de chêne abattue. Ah oui, j'ai vu des têtards aussi dans l'eau. Ils sont super gros, enfin par rapport à notre taille. J'en ai analysé. Ils sont là. Ça doit être inoffensif du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça. Tombe pas dans l'eau. Je veux pas tomber dans l'eau. Où est-ce qu'on... Plein de trucs à aller visiter. Ok, là-bas, il y a plein de moustiques. On a une coccinelle. Je vois pas du tout où ça peut être le... Parce que là, on a fait le tour. Toile d'araignée. Ouh, c'est quoi ça? Ah, oh, ça doit être... Ok, alors... Combat. Ok. Par contre, on va prendre ça. Ça, tu lâches. Alors, fais voir. Ça, c'est du quartz fragile. Donc ça, on peut le récupérer. Marteau, marteau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant, on dirait qu'elle voulait... Je sais pas, elle me regardait bizarrement. Mais ça, c'est pas fun de me mettre des trucs dans les parois, honnêtement. Je crois qu'il y en a... Putain, ça fait peur. Je crois qu'il y en a une autre qui traîne, j'ai entendu du bruit. Inventaire. Qu'on boive aussi. Donc ça c'est poche de toile. What the fuck? Oh, c'est la putain de loup.
Fais chier. Donc elle n'aime pas que je fasse ça. Qu'est-ce que j'ai récolté pour taper les trucs là? Qu'est-ce que j'ai récolté? Je crois rien. Donc elle aime pas que j'aille là, quoi. C'est ouf ça. Je crois que c'est juste pour récupérer des toiles en fait. Notre vie. Merde. Putain d'endurance, quoi. Il est quelle heure? Il est 17h. Menace détectée. C'est sérieux là? Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer? Quoi ça? Bout de punaise. Ah, dans les nids, il y a peut-être des trucs un peu aléatoires. Ouais. Genre, elle donne à manger, en fait. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Bout de punaise, c'est bien. Ouais, on va partir. On va partir. Bon. Résultat de notre excursion, honnêtement, c'était pas si mal. C'était pas si mal. On a récupéré des molaires, on a récupéré pas mal de toiles. J'ai aussi une mutation, il faut que je regarde ce que c'est. Est-ce que j'ai bu? Ouais. Okay. Remplir. Nickel. Là, il est 18h. Ouais, on va rentrer. On va faire un peu le calcul de ce qu'on a. Où est-ce qu'on avait vu d'autres choses qu'on pouvait casser avec le marteau 2? J'ai du mal à me rappeler. Mais je sais qu'on avait d'autres endroits aussi. Peut-être qu'on devrait sortir avec l'armure araignée. Pour le coup de l'endurance, parce que c'est vrai que c'est un peu la merde. Il faudrait la tester en combat aussi. Voir si, comme j'ai dit, parce qu'elle a la même défense. La résistance est moindre, mais elle a la même défense. Donc est-ce que ça passe quoi? Donc ouais, on va s'équiper avec la nouvelle. Très bien.
Ouais, il faudrait que je mette plus de lumière. Genre, j'ai des endroits où j'ai pas de lumière. Lumière, lumière, lumière. Aziz, lumière. Non, c'est construction. Non, c'est décoration. Genre là. Là. Ouais, c'est pas mal. Touffe d'herbe, branchette et sève. Touffe d'herbe, branchette et sève. Ouf! Eh ben. Bon bah ça va, c'est bien, on a de la toile. On a une quinzaine de toiles, je crois. Donc ça c'est cool, je suis content. C'est du bon travail. C'est du très bon travail même, j'ai envie de dire. Hop. On a ça aussi. Ah, c'est plein. Okay. On a ces pierres là, je sais toujours pas à quoi ça sert exactement. Enfin, ça, c'est pour augmenter apparemment des armes et des armures, mais... bout de punaise. Est-ce qu'on en a besoin? Je crois pas qu'on en ait besoin des bouts de punaise. Il va falloir que je fasse plus de coffres bientôt. Donc on avait dit branchette. De la sève. Et je sais plus quoi. Ah oui, touffe d'herbe. Touffe d'herbe, j'en ai quasiment pas. Faudrait qu'on en fasse... Hop là. Après j'ai pensé à mettre des défenses un peu autour en fait. Genre par exemple mettre des trucs à pic là, mais deux à l'opposé de l'un de l'autre, mais collés ensemble. Genre pour que les trucs se tuent petit à petit dessus, j'en sais rien, je sais pas. Meilleure défense, je sais pas trop. Mais ouais, là on a un peu de lumière partout, c'est bien. C'est très bien. J'ai rien à manger. Il est quelle heure? 19h. Okay. Ah oui, il y a ça aussi. Au final, c'est vachement bien ça. Parce que ça permet donc de faire des champignons et tout ça. Et apparemment, on peut faire des briques en champignons. Mais il y a ça aussi parce que ça peut utiliser des branchettes, des trèfles, des planches et tout ça pour faire des fibres végétales. Et du coup, c'est pratique parce que ça, par exemple, on en a beaucoup. Donc on peut les éliminer plus ou moins pour faire des fibres. Et là, après les fibres, on peut faire des cordes. Vous voyez, donc c'est pas si mal ce système. Merde, c'est pas grave. Tourne tous. Ah, j'ai cru que j'en avais 5, j'en ai que 4. Donc comme j'ai dit, on va tester ça. Très bien. Ah oui, dans les modifications. Barbare, fort et téméraire, tu aimes utiliser les armes de taille avec tes bras musclés. Manier les armes massives pour les fracasser sur les adversaires est un jeu d'enfant. Tu infliges beaucoup plus de dégâts lorsque tu es enragé, mais il est plus difficile de parer les coups de tes ennemis. Barbare. Intéressant. Intéressant les mutations. Je pensais bien qu'on allait avoir un truc avec les armes lourdes à un moment ou à un autre. Alors. Bon, peut-être que je couperai ce passage-là. On va juste dormir et tout. Puis après, on ira recombattre plus tard. Et on se lève. Donc, on a... J'ai fait toutes les cordes en toile. Ça c'est fait. Ça aussi. On peut lancer ça, très bien. Faudrait peut-être lancer un champignon. Genre commencer à faire des stocks de champignons là, je pense. Je sais pas vraiment en fait, mais bon. On a ça. Ah oui, mais je les ai pas mis à cuire. Merde, j'ai oublié. Très bien, on a ça à cuire. Là, j'ai fait donc une
J'ai fait un smoothie jus tonifiant, c'est endurance max, soigné. Pour les mutations, je sais pas trop quoi mettre. Vu qu'on a le set d'araignée maintenant, on va peut-être mettre le maître de parade et lancier au lieu d'avoir le bouclier humain. C'est pour ça que j'en voudrais 3 en fait de mutations, ce serait vraiment bien. Nos armes, ça va. Ça va, ça devrait tenir. Il nous faut un peu de soins par contre. On va faire ça. Voilà, très bien. Et là, j'ai un repas de prêt. Donc on est prêt pour l'aventure. On est prêt pour l'aventure. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait absolument... faudrait qu'on combatte les abeilles. Notre bouclier est bon, je crois. Ouais. Faudrait qu'on combatte les abeilles. C'est surtout ça qu'on veut. Ça serait bien d'en pouvoir en combattre une qui est proche. Après, il y a les moustiques. On avait vu des abeilles au loin, mais c'est chiant parce qu'il faut passer les moustiques. Les larves, on n'en a pas vraiment besoin. Les punaises, on n'en a pas vraiment besoin. Des bombardiers, peut-être, à la limite. J'ai pas envie de combattre une punaise. Mais on va devoir passer dans la jungle et il y a sûrement des punaises qui vont nous sauter dessus. Parce que... smart, fast, lucky, or just wear some armor. Souvent comme ça, ici. Ouais, là, elles sont en train de rentrer. On va manger le repas. Donc ça, ça donne des buffs pendant... je sais plus. 15 minutes, un peu moins. 12 minutes. C'est parti. Alors, le bombardier. Le bombardier et les acariens, c'est bien ça. Nickel. Ah putain, j'ai baissé mon truc au mauvais moment. Nickel. Ça va, on n'a pas trop lutté. Enfin, c'est pas fameux non plus. C'est très chiant en fait de les approcher en fait. C'est machin. C'est vraiment vraiment extrêmement chiant. Il nous en faudrait un autre. Donc on avait vu un endroit où il y en avait pas mal. L'armure est bien. On prend quand même un peu plus de dégâts. Hein. Peu importe le fait que. On prend un tout petit peu plus de dégâts. Mais après, je pense que cette armure, elle est sûrement bien pour... les armes lourdes, je pense. C'est quoi ça? Plus d'eau. Ok, on peut peut-être les trouver ici, les puces d'eau.
nous en faut. Ah non, c'était punaise d'eau qu'il nous faut. Ça doit être plus lourd, plus grand. Chair de puce d'eau. Je crois qu'on meurt instantanément aussi. Hein. On n'a plus de... Oh, marbre fragile, ça c'est bien. On n'a plus d'oxygène. Je suis pas en train de défoncer mon armée. Ah oui, mais je suis même pas. Nice and safe. On peut se protéger, on peut utiliser la lance, c'est cool. C'est vraiment cool. Inventaire plein, ah c'est la merde. Hein. Là j'avoue que... Ah, de la chair de puce d'eau. D'accord. Tiens, j'ai pas pris ça aussi. Par contre, on est là, on peut pas enchaîner. Là-bas, on a tout un bordel. Ça a l'air plus gros, ça. Non, c'est pareil. Par contre, faut faire attention où on émerge, hein, parce que je connais pas vraiment un endroit, enfin l'endroit parmi par l'eau en fait. Donc ça peut être un problème. Après, on peut jeter des lances. Hein. Si jamais on a des trucs rares, on peut jeter des lances. Je dois bien récupérer quand même de la nourriture de puce, c'est la première fois que j'ai ça, donc je sais pas ce que ça fait. Canette de la bise. Il y a plein de... Il y a plein de... Qu'est-ce que je veux dire ? D'argile aussi. C'est une coccinelle, ça. Dans le canet, c'est vraiment chouette. Oh no, something about the soda. Shake it up, and it'll explode ya. Super. Il y a du moustique. Là-bas, je crois que c'était une... une coccinelle. Bon. Vu qu'on est là. On peut aller au poste de recherche. Et identifier les puces là. La chair de puce. Et quelle heure? Il est midi. Après, je dis pas, on pourrait peut-être se vider l'inventaire et prendre des baies, ça serait bien en fait. Exploration quand tu nous tiens. Alors, on pourrait faire un truc pour rôtir, je crois. Oh, on peut faire des leurres, des branchies liquides.
en chi de liquide. Fabriquer. Alors, ça fait apnéiste, évidemment. Et là, on a l'heure d'hiver, l'heure. Plusieurs appâts faits avec de la chair de tétard pour distraire les prédateurs les plus imposants. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut pour faire... Je me rappelle plus à chaque fois. Des branchettes, des feuilles de trèfle et des coquilles. Quoi ? Non, des gravillons. Gravillons, branchettes et touffes d'herbe. On est reparti. J'ai dû faire encore une pause. Donc, on pourrait aller visiter un peu plus. Il est encore tôt. Je sais pas vraiment quoi faire, en fait. Je voudrais bien aller... Ouais, cuire ça. Il faudrait les feuilles sèches et tout ça. Je sais pas si on peut en trouver ici. Ah, la pomme, on peut la casser, je crois. Ouh, il n'y a pas des fruits. Ah oui, il y avait un hot dog à un moment. Je sais plus où il est, le hot dog. Ah, on verra ça après. Je sais plus où il est, mais il y a des trucs qu'on peut sûrement récupérer. On va aller voir. Je sais que on avait vu des... Ça. Des larves. Là aussi, il y a quelque chose. C'est quoi, ça? Donc, pomme. Ça va juste donner de la pomme. Non, c'est pas ça, c'est ça. Genre, ça va tout détruire? What the fuck? Nourriture pourrissante. Morceau de pomme frais. Que... Okay. On va dire adieu à une lance, je crois. Nourriture pourrissante. Ça aussi, on en avait fait. Bon, après, morceau de pomme frais. Morceau de pomme. Morceau de pomme. Ah, morceau de pomme frais, c'est pas la même. D'accord. Ça marche. La chute. No. C'est pas la même chose. Ça marche. Bon, bah là par contre, merde. Je crois qu'elle dorme. Ouais, c'est en pleine journée, elle dorme. C'est le cagnard, ça dort. Tu peux me dire si c'est normal, ça? Il manque pas une texture, là? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un truc électrique? Enfin, une prise électrique? Alors, Mama said fight the power, Rapnix. On peut rien faire avec. Bon, il n'y a rien du tout. Là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose non plus. Peut-être des trucs dessus. Genre, il faudrait faire un trampoline ou je sais pas quoi. Faut qu'on boive aussi. Adieu les lances, on reviendra vous chercher. Ah tiens, on pourrait faire une rôtissoire en fait. Au final, on a tout ce qu'il faut. On a des herbes sèches là. Au final, on a tout ce qu'il faut. Herbes sèches avec... Ah non, il faut des tiges je crois, on n'a pas de tiges. Alors, on va analyser la pomme fraîche. On va peut-être boire aussi, parce que sinon, on va être dans la merde. Pomme fraîche. Science.
Nourriture humaine. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça. J'ai l'impression que c'est genre de l'humain qu'on va manger. Alors, nourriture humaine. Il faut de la pomme fraîche. Miettes de biscuits fourrés tout chaud et des morceaux fraîches de Billy Hug. Ah, Billy Hug, c'est le... Résistance aux dégâts, putain ça tue. Ça c'est le hot dog je crois. Quasiment certain que c'est le hot dog. Ouais. Bon par contre ça fait un peu chier que le top là, le dessus il soit pas tombé. Bon. Bon. Ce qu'on va faire, je crois, c'est prendre des baies, se casser et rentrer. On n'a pas grand chose d'autre à faire. Ah putain. Lâcher. Bien, H. Ah merde, mais je peux pas repasser à l'arc. Ah, fais chier. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est compliqué hein, quand on est à l'inventaire tout plein comme ça. C'est un peu con de ma part aussi. Après, on devrait prendre juste... pas les équipements niveau 1... non, les équipements niveau 2 quand on sort. C'est pas trop chiant à réparer. Ça va, c'est pas la mort non plus, quoi. Donc... Ah oui, c'est là les bombardiers. C'est là... Let's go. Oui, ils nous font des bombardiers. Ah, tiens. Faudrait un bombardier. On peut le faire à la masse. On peut le faire à la masse. Ok, let's go. Déjà. Ah putain. Nickel. Il faut de la place. Ah mon dieu de mon dieu de mon dieu. Faire gaffe hein, parce que là ça va faire mal de loin. Regarde ta frêne. Non. Je suis dans l'acide. Ouais, peut-être barbare. Ah non, pas vraiment. Putain, d'acide de merde.
On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va, on a encore des buffs. Régénération de santé en continu. Nickel. On a deux régénérations de santé du coup? Non, c'est pas les mêmes choses. J'avais mis quoi en mutation? Le maître de parade et ça. Ouais, peut-être que ça est barbare à la limite. On en refait un? Non, on peut faire un. C'est vraiment super dangereux, hein, cet acide de merde. On lui a peut-être baissé la vie. M'arrive. Ah, barbare. C'est une sorte de buff qui s'active. Une sorte de buff qui s'active vite. Tes attaques infligent plus de dégâts. D'accord. Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc est-ce qu'ils ont une tanière ou pas? Ou alors c'est juste qu'ils se baladent par là? Oh, il y a une citrouille en haut. Bon, on va rentrer s'il est méga tard. Il est méga tard. Let's go. Ah, et j'ai plus à boire aussi. Ça va, on a bien bossé là. On a bien bossé. Je suis assez content de moi. Donc ouais, barbare, ça a l'air intéressant. Il faut continuer, je pense, à utiliser les armes lourdes. Oh, les libellules. Non, pas les libellules, les ça là. Lucioles. Oh, attention. Les lucioles, ça peut être intéressant. Ah, parce qu'il nous en faut. Ah, on est loin de chez nous. Hein, mais ça va, on va y arriver. Les canettes. Nickel. Ah oui, ça c'est le poste avec les araignées. Attends, on a des trucs à analyser ou pas? Non, hein? Non, non, non. Bon bah je suis très content de ce qu'on a fait. Ça va, ça s'est bien passé. C'est juste que oui, bon. On est un peu plein parce qu'on part avec beaucoup d'équipements et tout ça. C'est un peu ma faute ça. Faudrait que je gère ça mieux. Comme j'avais dit, c'est un peu compliqué de réparer genre les tout ce qui est niveau 2, là, la hache et le marteau. Mais au final c'est pas extrêmement difficile.
donc bon. Ça y est, on est enfin rentré. Très bien. On est enfin rentré. Ah, je suis content. Là. Un truc qui sont suicidés encore. Alors attends, là on a ça. Je voudrais en faire sécher 3. On va voir ce que ça nous donne. Bon, là on a des baies à faire sécher aussi. Après, on va en faire cuire. 2. Très bien. On va récupérer ce qui s'est suicidé là. On va prendre le. Faudrait que je le déplace ce coffre. Genre là. Ah putain, mais j'avais même ça sur moi. Ouais, tu m'étonnes que j'ai pas de place nulle part. Donc il y a ça. C'est vraiment bien qu'ils illuminent ce qui a été abîmé. Le truc a essayé de bouffer un charançon, elle en est morte. Le corbeau, il est où? Le corbeau, il est là. Le corbeau est là, on peut peut-être aller récupérer une plume aussi. Je peux mettre le coffre là. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Et ça, on le remet là. Ça, c'est pas un truc qu'on a besoin pour le moment, honnêtement. On peut rien faire. On a toutes ces pierres-là, on les a pas. Et je sais pas du tout où on les récupère. Donc, Osef. Osef. Donc, ça... Masque, très bien. Donc moi je pense qu'on va commencer à faire ça. Ah, la pelle, non, si, il faut la garder parce qu'on n'a pas de pelle niveau 2. Donc, comme ça, ça on garde maintenant. Ok, ça fera déjà moins de place. Enfin, plus de place, moins de place prise. Alors est-ce qu'il faut aller identifier ça? Non. Alors repas, soigne et bien nourri. Ça marche. Parce que chaque différents animal donne des choses différentes en fait. Donc c'est intéressant de faire des tests. On va remplir notre gourde. Voilà, nickel. Je vais refaire des lances et on va essayer de voir si on peut pas se faire des... Comment ça s'appelle? Des trucs qui brillent dans la nuit là. Lucioles. On va faire ça. Petite pause, je vais couper tout ça. Je vais m'équiper et après on va aller voir pour les lucioles. Ok, on est prêt. On va se balader. Je promets pas qu'on va en trouver. Hein, mais on va se balader. Donc je me suis fait des lances parce que j'ai plus de. J'ai plus de. De mandibules, de fourmis rouges en fait, pour réparer ma masse. Donc on a plein de lances, on a plusieurs lances, 4. Bon, plein, c'est pas plein plein, mais voilà. On en a 4 et on a notre épée. Notre bonne vieille épée poison. Donc ça devrait aller. Ouais. Je vais faire qu'il faut pas retourner là-bas pour trouver des lucioles là. C'est un peu con. Take that, vampires. Je me suis fait aussi des soins là. Vous savez, des petits cocktails. J'en ai 8 maintenant. Parce qu'on peut les stacker à 10. Donc je m'en suis fait quelques-uns de plus. Donc ça c'est bien, ça nous fait de la du soin. Pas trop, comment dire, m'éloigner non plus. Je veux pas aller trop loin.
Les larves, le problème, c'est qu'elles sont jamais seules, quoi. Oh, regardez ça, c'est allumé. On va se taper une araignée, je sens. C'est des moucherons. C'est plein de mouches, en fait. Ah, le monde est différent, hein, quand... Le monde est différent en pleine nuit. Mais bon. Plus dangereux aussi, hein. Un tout petit peu plus dangereux. Ok, ça a l'air d'être ok. Je vais voir si on peut pas en récupérer quelques-uns, quoi. Est-ce qu'ils sont violents ou pas? Nice and safe. Putain, je vois que ça... Ça éblouit à mort. Ça éblouit à mort. Après, on les fait tomber au même endroit. Je suis surpris qu'il n'y ait pas... Vous savez quoi? Mais ça les tue pas! Ça doit dépendre d'où on tire en fait. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment bien, l'allonge de la lance, hein, ça aide énormément. Ça aide pour beaucoup de choses. J'adore ces lances. Bon, on va voir ce qu'on a récupéré en bas déjà. Ça fait beaucoup. Ok, tout va bien. Il y a rien de gros qui bouge, ça va. Que oui, ça fait beaucoup en fait. Ça, par contre, les... Ah, mais les duvets aussi, on est. Damn, give me a plate of this. Je pense que les duvets c'est important, j'en sais strictement rien en fait. Bon, on va rentrer. On va
tastes good. Voilà. Que faire des... Maintenant, que faire de ce qu'on a récupéré? Ça, c'est en train de sécher. Est-ce qu'on a assez de morceaux pour faire un autre séchoir, la viande? Ça serait bien, ça. Un séchoir à viande, genre juste là. Ça serait vraiment bien. Hop, là ce serait parfait là. Et la lampe on la met là. Là ce serait nickel là. C'est 5 bouts de bombardier. Normalement on doit les avoir parce qu'on a tué pas mal. 5 bouts de bombardier. 5. Très bien. Et des cordes. Voilà, nickel. Ça, les moucherons, on peut les faire sécher parce que c'est bon pour un des... comment ça s'appelle, des repas, là. Donc, c'est pas si mal. C'est bien. Je sais plus exactement ce que ça fait, ce repas, mais... C'est bien. On va voir ça. Ça, en moucheron. Feuilles mortes, je crois que c'est... Oui, c'est des dégâts de chute. Bon, après, c'est un repas, quoi, c'est bien. Parce que celui-là, c'est encore, à chaque fois, des duvets d'acariens, là, c'est super chiant à récupérer. Et après, on peut faire cuire le reste, si on veut. Bon, on n'a pas trouvé de... Je suis un peu dégoûté, il est quoi? Il est 3h du mat', faudrait dormir. Parce que je crois qu'il faut quand même dormir. Pas de... Luciole, proche de nous, donc c'est un peu bête. Ouais, pas de luciole proche de nous. C'est bête. Bon, on va dormir, je crois. On va dormir. On va s'arrêter là. Je sais pas trop ce que je vais faire avec mes mouches, moi. Peut-être les faire cuire toutes. J'en sais rien. Enfin, non, les faire cuire, ça m'avancera pas à grand chose. Ouais. Allons dormir. Quoi ce bruit? On va d'abord faire un tour du périmètre. Je crois qu'il y a des fourmis qui sont encore tuées comme d'habitude. Et ça va être la fin de notre épisode. Mais ouais, du coup, on n'a pas fait d'abeilles. Je suis un peu deg. Je suis un peu déçu. Mais on va repartir à la chasse aux abeilles. On va repartir à la chasse aux abeilles. Ah, très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. On va manger ça. Rub time. Ciao, ciao.